Salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien dans votre écran. Petite vidéo très rapide avant que l'épisode commence pour vous mettre ici les dates de détection si vous essayez de rejoindre le Vinsky FC U12, U13, U14, senior femme et senior homme. Voilà toutes les dates, les lieux. Donc venez nombreuses, venez nombreux, tentez votre chance. Et si vous habitez pas trop loin de Magnanville aussi, pour pas avoir trop de trajets à faire à chaque fois que vous venez à l'entraînement, venez et peut-être que vous serez pris dans l'équipe. Allez, bon épisode. Ah Max, excellent. T'es en train de dire que si on montait, toi et moi, on était au frais de la princesse. Hein. Non, c'est-à-dire si on monte, on fait une grosse, grosse soirée et il y aura beaucoup d'alcool qui coulera. Ah, et c'est lui qui a... Comme il a le sourire. Mais attends, il y a de l'alcool, mais est-ce qu'il y a le bon resto avant? Non, oui. Non, tu vois, c'est pas bon. Ah oui, bah, faut se nourrir, sinon je vais vomir par... Comment faites avec un resto? Vous faites avec un verre? Ça reste entre nous, ça va être... Attends, vas-y, parle. Moi, je l'ai entendu. Si on est champion, c'est une doudoune chacun. Ah, c'est merci un président. C'est un parcage chacun. Merci. Ça c'est vrai. Validé. Oh, j'ai bien fait validé. Ah, comment je me suis rentré dans le truc alors j'y suis pas rien du tout. C'est vrai, le caméraman, il s'arrive à tout le monde, il valide. Ouais, mais après, faut dire que lui, il subit des matchs sous la flotte quand même. Ouais. Non, c'est puis vrai. Quand même des matchs de merde, on peut te dire. Ça, faut dire ça. Regarde, les mecs, ils arrivent en marchant. Les gars, allez pêchez-vous. Ils sont en retard et ils arrivent en marchant. Comment tu veux être champion avec des mecs comme ça? Regarde. Regarde, oh, il y a le meilleur buteur dedans. Alors là, c'est le meilleur il y a Neymar et Messi qui arrivent à l'entraînement. Là, il y a Neymar et Messi qui arrivent à l'entraînement comme s'ils avaient des problèmes dans la vie. Moi, j'ai pas filmé, mais la semaine dernière, on était 19 à l'entraînement. Et là, on se retrouve à 10 parce qu'il y a pas match. Ouais, mais ça, on le sait, tu le sais comme moi, hein, c'est les matchs de dimanche qui font ça. Tu vois, quand il y a des matchs importants, ils viennent. Quand il n'y a pas de match, ils viennent pas. En plus, match de Ligue des Champions ce soir, City Real. Autant te dire, c'est là qu'on voit les plus faibles. Et là, filme les vrais là. Les vrais, tu vois. Ça, c'est les vrais, ça. C'est grâce à eux qu'on va gagner le dimanche. Tu vois, c'est grâce à eux. J'ai envie de jouer au foot et il fait beau. Et j'ai envie de jouer au foot aussi. On aimerait bien que les lumières s'allument un peu. Hein ? J'aimerais bien que les lumières s'allument un peu. Ah, d'accord, pas de soucis. Je m'en occupe. Je fais ça. Tu peux appeler la lumière, s'il te plaît ? Il a besoin de lumière. J'avoue, il est frais. Ah, il est beau là. En fait, tu sers à quoi en tant que président si même la lumière. Story drôle. Ok, avec d'accord. La musique qui s'affiche. Je crois que c'est pas le concept de la présidence. Voilà. Et maintenant sur YouTube, on est mort. D'un supporter sur Instagram. Petite question sûrement bête, si vous êtes champion, il y a une cérémonie de remise des trophées ou quelque chose comme ça? Et non, du coup, parce qu'on est en D5. Il n'y a même pas de trophée. On va défiler dans Magnanville avec un tourbus. Il faut qu'on fasse nous-mêmes un trophée sans nom en feu. Ouais. Ils n'en donnent pas. Je crois pas. Du coup les gars, petite mise au point par rapport un peu au contexte des points, etc. des matchs. Là, on est le 26 avril. En gros, il y a un truc de fou qui s'est passé. C'est que Morcourt, qui était les premiers durant toute la saison, ont perdu. Du coup, ils ont deux défaites. Acher aussi ont deux défaites. On est les seuls à avoir qu'une seule défaite. Et donc, il nous reste 5 matchs. Et si on gagne les 5 matchs, en plus de monter, on serait champion de D5. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que le dernier match du championnat, c'est face à Morcourt. Donc potentiellement, si on arrive à gagner tous nos matchs, etc. jusque-là, peut-être qu'on jouerait le match du titre de la dernière journée de championnat. Ce qui est incroyable au niveau du scénario. En gros, là, ça va faire, je te la donne, tu me la redonnes, en une touche, hop, on fait ça trois fois. Ensuite, la dernière, je te la remets, tu pars en contrôle orienté à l'intérieur. Toi, tu pars par là et tu défends sur lui. Ok, vous avez compris ou pas? Voilà. C'est bon? Faites-le correctement, sinon ça sert à rien. Il a compris. Il veut un contrôle orienté.
Je suis Nathan. 3, s'y va. Allez, 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 allez. Il est parti trop tôt, Nathan. Bien joué, Nathan. Encore, encore. Bien joué, Nat. Bien joué, Herman. Bien joué, Dylan. 1, 2, 3. Contrôle, c'est parti. Allez, Raïm. Nathan est trop rapide. Mais peut-être qu'il peut faire quelque chose. Bien joué, Nat. Après, Nathan, il est sans ballon. Ça vieillit, ça grince là-dedans. 2, 3, tu vas. Il est trop rapide, Alex. Trop rapide. Là, tu vois, les épaules. Si le défenseur, il est là. Bien joué. Fabio. Allez, c'est parti. Bien joué, Nat. Allez, allez. C'est que des oies. Fini. Voilà, merci Nathan. Le pointard, il faut des pointards à la Maldini. Maldini n'a jamais mis de pointu. Qu'est-ce que je raconte? Pour moi, c'est celui-là. Waouh. Voilà. S'il vous plaît, on se concentre. C'est notre coach, c'est normal. Regarde, je vous la refais, je vous la refais. Regarde. Il a rien fait. Eh, vous savez quoi? Maintenant, vous allez faire que ce contrôle-là. Mais vas-y, on va rigoler, bande de grands lords, on va rigoler. 1, 2, 3. Oh non, il a pas les fait. Laisse le polo, t'as gagné. Oh. On va là-bas, prenez les ballons, on va là-bas. Personne n'a fait ton contrôle orienté, je suis un peu déçu. Non, parce qu'en fait, ils se sont chiés dessus. Voilà, ils rigolent, ils rigolent. Mais il y en a aucun qui a les couronnesses de le faire. Parce qu'ils savent pas le faire. C'était vraiment trop précédent. Tu vois, parce que moi, en fait, je suis un joueur de futsal. Tu vois, moi, je suis là, tac, tac. Tu vois, sur un appui, une touche, tu vois. Regarde-les, c'est pite. Regarde-les, c'est pite. Ils savaient même pas que ça existait, ce contrôle orienté, déjà. Non, je rigole, non. Il a mal. Tu peux aller ramasser ton genou là-bas, s'il te plaît. Ta gueule, toi. C'est pour vous dire, en fait, j'ai une question. Non, c'est pour toi, en fait, Raphaël. Parce que tu m'as dit que tu faisais une diète le soir. Tu continues ou pas? Non, mais vraiment, c'est ouais, ça. Ouais, on fait une diète, ouais. Non, parce qu'on fait une diète, mais il dit qu'on va au KFC après, mais je comprends pas. Mais c'est parce qu'il y a des super offres en ce moment le mardi soir. Non, c'est lui qui m'a conseillé de faire la diète. Ah merde! Ah! Des super offres. Non, après, des super après on va couper au montage. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? C'est quoi cette histoire de KFC? Tu peux m'expliquer? Moi, je suis l'engraineur de service. Moi, je grossis pas, du coup, let's go. C'est l'entraînement à gonfler toute situation. Mais... Oh, il a pas fait son lacet! C'est le premier entraînement qui vient de l'année, là, il est trop excité. Oh, le bâtard! Un président pas présent! Oh, les bâtards! Si, non, je rigole. Il est venu la dernière fois, il a fait 20 minutes dans l'entraînement, il fait oh putain les gars. Non, ah, putain, j'ai fait 1h10 et la dernière 20 minutes, je pouvais pas. C'est qui m'a dit quoi? Le lendemain qu'il s'est entraîné, on s'est écrit, il m'a dit c'est vrai que des fois j'ai pas conscience que je m'entraîne si peu, j'ai mal aux jambes. Mais c'est surtout que, attends, il joue défenseur droit, il se retrouve ailier gauche d'un coup d'un seul. Il est comme ça en train de faire du pressing sur l'arrière droit, AD il voyait flou. Avengers là. Wesh, Hulk. Oh, je t'arrête de venir aussi bas chercher la balle. Tu viens sur la même ligne, tu progresses pas. Oui, c'est fini. Ouais, oui, si on tente pas la chance, on la provoque pas. Elle arrive pas. C'est payé, c'est payé. Bien joué, Vincent. Oh, le fils de Chris qui se prend pour Karate Kid. Nero il est pas là dimanche, c'est dimanche prochain. Oh bah, c'est un coup dur là. Bah ouais, oui, je vais te le dire, surtout que Jaïd il est pas prêt. Je descends à La Rochelle. À La Rochelle. Et je reviens que dimanche. À quelle heure? Après-midi. Non, tu reviens dimanche à midi. pour Breval. Ouais. Je peux m'arranger. On peut toujours s'arranger. Moi ce qui me fait plus chier c'est loin en fait. Non mais tous les matchs me font chier, ouais, tous les matchs, parce que gros regarde. Morcourt, ils ont perdu contre Kev et Kevin. Ah, faut pas, c'est vite arrivé. Breval, t'es la merde. Pas prêt, c'est ça. Donc, du coup, en défense centrale, on va partir avec Fabio et Romain. Quentin. Et Romain. Et Romain. Bah oui, parce Quentin, il revient. Quentin, il est là d'ailleurs ce soir. Quentin, il est là. T'as de la chatte, toi. J'ai confiance en lui. Attends, c'est loin, il est là. Breval, je sais pas. C'est sûr qu'il est là ce soir. Attends, attends. Non, mais le pire, c'est que c'est vraiment le meilleur remplaçant parce que lui, il taffe dur là où il est en plus. Tu vois, il joue avec une équipe. Et vraiment, il bosse. Ah oui, faut que je vous raconte, ça c'est génial. Donc lui, il est là tout le temps, tous les entraînements, tout ça, même quand on est 3. On a les matchs déplacés, tout ça, il prend une semaine de vacances dans l'année. Il prend la semaine où il y a 3 matchs. Il prend la semaine la plus importante de l'année. Et la Coupe de France. Donc du coup, on joue tous les matchs de merde. Est-ce que tu vas faire la gueule à ta meuf à Florence? Non, je peux pas. Motif de rupture. Motif de rupture. Non, t'avales ton seum, tu souris, tu regardes le Colisée et bravo.
Le Colisée à Florence, bien sûr. On va à Rome. Ah, vous allez à Rome. Rome et Florence. Ah, d'accord, bon, ça va. Tu suivras les matchs sur Twitch. Mais oui. Bah non, j'ai pas assez de data étrangère. Tu vas dans un Starbucks. Il y a Starbucks en Italie. Tu vas dans un Starbucks. Et voilà. Filme la cheville, filme la cheville. La cheville douloureuse. Ça revient de blessure là ? Ça revient de blessure. Bah là, je m'entraîne pas à fond. Là, je fais un petit renfort avec Romain. Et après, je pense que je vais rentrer chez moi. Et la semaine prochaine, on va essayer de revenir un peu plus en forme. Ouais. Et on va commencer par faire du renfort. Bah, c'est surtout qu'il y a la Ligue des Champions ce soir. Il faut pas louper le match. En vrai, ouais. Moi les gars, je suis un vrai parisien depuis que Paris est plus là. Je regarde plus rien. C'est fini, ça y est. Qu'est-ce que tu nous fais là aujourd'hui comme séance ? Rien. Je prépare ma certif. J'ai une certification ce samedi pour. Pour les diplômes fédéraux, on continue à se former toujours. Et du coup, on prépare et on teste les exercices, la PEDA, tu sais, vu que c'est très organisé sur les discours, sur tout ce qu'il y a à dire, etc. Donc voilà. Du coup, le coach te laisse un peu de laisse dans cette séance. Le coach m'a laissé 28 minutes exactement. 3 fois 12, une situation, un jeu, un exercice. Ça va fuser. Allez les gars, venez par là. D'accord, on est dans une situation où on a le ballon et l'idée c'est de conserver et de progresser derrière. On va être sur un exercice où vous allez avoir deux appuis sur les côtés. D'accord, on les mettra ensuite en fonction du nombre de joueurs par équipe. Vous avez des petites portes, regardez. À l'intérieur de la zone, la ligne bleue ici et la ligne jaune là. À l'intérieur, l'objectif c'est d'aller toucher un appui et pour pouvoir marquer un point, il va falloir faire une passe à l'intérieur des portes et retoucher l'autre appui. D'accord ? Est-ce que c'est bon ou quoi pour tout le monde ? Oui. Ouais. On se met en place, let's go ? Hein ? Ah, j'ai rien compris, on sort. C'est pour des trucs de 15 ans ça ? Moi j'ai rien compris, frère. Allez les gars, je crois que j'étais pas concentré. Parce que je sens que t'es perdu, que t'as rien compris. Ah, bah, moi comme d'hab, j'attends les 2-30 premières secondes de l'exercice, observateur avec l'expérience, tu vois. Et une fois que j'ai compris, j'y vais. Eh ben voilà, tu vois tout de suite, c'est un pote. Ouais, voilà, c'est un pote, c'est barré. Reste avec mon frère. Mon frère, il va me dire. C'est quoi ? Dépêche-toi. On a fini. Prends ça du bleu jaune et un orange. Voilà, bien joué. T'es qui en fait ? J'étais le Where meilleur. Where are you from? J'étais le meilleur. Where are you from, bro? J'étais le meilleur, voilà qui je suis. Hey, Abdé, c'est qui? Hein? C'est qui? Je sais pas, mon. Bon, faut que tu nous expliques où t'étais pendant tout ce temps, quand même. Il se pourrait que je n'ai été accepté que dans un seul master. À Saint-Etienne. Pour tous les Stéphanois, bon, voilà. En Ligue 2? Oui, en Ligue 2, bon. Geoffroy Guichard, très sympa. Il t'appelle. Regarde comment il est serein. Tu vois comment il est serein. Il a même pas transpiré mes skis. Pas. Tu connais quand tu plonges sur ton lit comme ça. C'est la même chose. Regarde, il est détendu. Hein. Tranquille. Mais tu sais que tu peux tirer vraiment, il est chauffé là, c'est bon. Ok, vous êtes sûr là, vous êtes en train de me chercher là. D'accord, ok. Donc ça c'est l'atelier physique. Ouais, là on est épaules avec les poteaux, tranquille, tu vois, on attend que l'exercice d'après il se passe. Celui-là, la position de Vincent, vous vous rendez pas compte, mais c'est hyper physique en train de faire. Exactement, ouais. Tu vois, c'est de la récupération intempestive. Non, mais jambes, cuisses, fessiers. Tu vois, là il fait du gainage sur tout ce qui est cheville, etc. Gauche, c'est vois, assez impressionnant. C'est ce qui me sert le plus. Bon, tu tiens combien de temps comme ça? Comme ça 35 heures. Mais easy, hein. 35 heures, bah ouais. Ok, Didier Deschamps. Non, bah, écoute, chacun ses qualités. Alors là, pour faire un petit point un peu comptable, notamment avec un mec qui a beaucoup m'aidé, c'est une calculatrice vivante. Alors là, dimanche, on joue face à Bréval à l'extérieur, sur leur terrain d'herbe, qui n'est pas apparemment d'une qualité optimale. Ultra impressionnante. Mais quand même, il va falloir gagner. Exactement, il faut. De toute façon, le terrain, c'est pas une excuse. Si on joue bien, qu'on a les compétences. Arbitre terrain, on s'en fout. Du moment que nous, on joue notre jeu, c'est bon. Je vais pas trop parler. Non, mais c'est effectivement ça. Donc, du coup, bah là, c'est le premier match des 5 fameux matchs qu'il faut qu'on gagne pour être champion. Il faut absolument gagner. Bréval, ils font partie du bas de classement. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur, même si on a vu que Morcourt, les premiers, ont perdu contre les Quevilles. Donc, ça va vraiment rien dire. Dans le foot, ça va trop vite. Il n'y a plus de logique. C'est pour ça que c'est le plus beau sport du monde. Exactement. El Mundo en espagnol. Yes. Nathan, the world. Tu vois, on veut dire juste qu'il faut absolument gagner dimanche face à Bréval. Et qu'il n'y avait aucune logique, malgré qu'ils ne soient pas dans les meilleurs niveau classement. Il faut faire attention. Exactement, il faut gagner à tous les matchs maintenant.
ça fait un bon mois là qu'il n'y a pas eu de match. J'avoue, ça fait longtemps, on n'a pas joué. C'est pour ça là, je suis venu bien en avance, échauffer un peu le corps de vieux. Et ouais, on joue un match sur herbe. Ouais. Ça va changer un petit peu, donc on va voir. Mais je suis grave excité, il fait beau, j'ai envie de jouer. Tu sens comment le match là? Franchement, on va oublier le match aller, on a gagné 7-1 je pense, on a marqué vite et tout. Donc franchement, le but là, c'est de marquer pareil. Si on arrive à marquer vite, je pense qu'on va tenir le match. Après, faut pas qu'on se mette en danger s'il y a un ou deux buts d'écart et qu'il reste 20 minutes avec ce terrain-là, ça va être galère. Et surtout, pas les laisser prendre de l'avance. Donc non, je pense qu'on va leur rentrer dedans, on va essayer de jouer à fond. Aurel, viens, parce que Aurel, on a quand même un champion de France parmi nous. Parce qu'hier soir, on était à la finale de la Coupe de France avec Aurel. On a gagné, les gars. On entend avec la voix, du coup. J'ai plus de voix. Nice face à Nantes, c'est Nantes qui a gagné 1-0, vous avez sûrement dû le voir à la télé. Avec un but de Ludovic Blas, penalty au centre, pas de risque, enfin pas de risque. Que t'as pas vu en direct. J'ai pas vu d'ailleurs, j'ai voulu acheter à manger à ce moment-là et il y a les buts. Donc du coup, voilà, mais en tout cas, bravo. Un champion de France avec nous quand même, c'est, ouais, c'est bien. Donc là aujourd'hui c'est très très important, parce qu'il faut recoller avec la victoire encore une fois. Il nous reste 5 matchs je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et c'est les 5 matchs à assurer pour la montée. Donc, et ce match-là, là, comment tu le sens? Comment je le sens? Bah, je vais prendre l'excuse du terrain comme tout le monde. Je pense que c'est pas un terrain facile. Terrain en herbe avec des faux rebonds assez durs. Mais je me sens bien, il fait bon. Physiquement, je me sens bien. J'ai confiance en mes gars. Donc voilà, franchement, on peut faire qu'un bon match. 8 mois que vous êtes là, à 14 à l'entraînement, 10 à l'entraînement, 8 à l'entraînement, toujours les mêmes. Faudra que ça paye maintenant. Donc on est dans cette période, donc sur le terrain ça paye maintenant, ok les gars? Allez, Vas-y,
Okolo. What the fuck are you doing? Ça joue! Hop! Mais ça va rouler, ça va sauter. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, mets-le au sol. Parce que même si ça saute et que tu la tapes au sol, elle va se lever, mais comme tu la voulais au départ en fait finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là sur chaque geste, il va falloir être concentré. Chaque contrôle, chaque paf, chaque frappe. Ok? Alors très rapidement, on voit quelques petits mots par rapport à cette première mi-temps. On a pensé quoi? C'est frustrant parce que on rate beaucoup. Ça nous fait défaut dans la dernière passe, on a du mal. Quand on a réussi à trouver la dernière passe, c'était le dernier geste qui manquait. Ouais, il y a eu deux barres. Une fois la barre et une fois en face à face rasée. Mais les occasions, ça va, on les trouve. Donc en vrai, je suis pas trop non plus dégoûté parce qu'en vrai, il y a de quoi. Non, surtout pas, faut rester hyper motivé, hyper positif. Mmh. Au final, vous créez des actions. Donc comme je dis, si tu crées des actions sur tout le match, forcément, à un moment donné, ça doit rentrer. Et je pense que ça va le faire. Ouais, je suis sûr, on va gagner. Être tranquille, les gars qui sont devant et vous planter. J'espère pas. Il y a les mecs qui se foutent de sa gueule derrière, j'ai l'impression. Mais ouais, non, en tout cas, allez, bonne seconde mi-temps. Fabio. Thank you.
Ouais.